Bon, les amis, je suis très contente. Voilà, ce matin, je pars à l'école. J'ai pas beaucoup dormi hier. Je suis revenue de New York. Je me suis couchée à 2h du matin. Là, je me suis réveillée à 7h. Je dois aller à mon test. Mais c'était pour vous dire que je suis très contente parce que ben, je commence vraiment à faire des choses sérieusement dans la musique. Et si j'avais écouté tous les gens, vraiment les amis, franchement, si vous avez envie de faire quelque chose dans la vie, faites-le, n'écoutez jamais personne. Pour ceux qui me connaissent depuis le début, comme vous le savez, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de poster des photos sexy, je le fais. Si j'ai envie de faire des trucs, je le fais. Et il faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire et pas écouter les gens. Regardez, aujourd'hui, moi, je suis à Miami. J'ai une vie de ouf. Et je fais ce que j'ai envie parce que j'ai bossé dur. Déjà de 1, ça tombe pas du ciel. Parfois, pour ceux qui me connaissent, je l'ai déjà dit, j'avais 3 boulots en même temps. Je travaillais énormément pour qu'aujourd'hui, bah, je puisse faire ça. Bah, juste ça, c'était pour vous expliquer que je reviens de New York et je suis super contente parce que j'ai enfin trouvé des gens avec qui je travaille et qui sont super sérieux dans la musique, vraiment. Donc j'ai rencontré des gens sérieux, mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été facile ici pour moi. J'ai eu des gens à certains moments de ma vie ici qui m'ont aidé un petit peu, ok, mais toute seule ici. Toute seule à Miami. Et j'ai enfin rencontré Moka, qui est une super manageuse, une super personne. Enfin, une vraie personne. Enfin, je le dis, désolée si les gens, j'en ai rien à cirer. Et c'est pour ça que je lui fais entièrement confiance. Mais il faut savoir que derrière, les amis, j'ai travaillé beaucoup. Et aujourd'hui, si demain la musique ça marche, je suis productrice de mes musiques. C'est-à-dire qu'il n'y a personne derrière. J'ai pas de maison de disque, j'ai personne. Je prends les décisions avec Moka. Elle, c'est la manageuse. Il faut savoir qu'un manager ne paye pas pour la musique, ne paye rien. Je fais tout moi-même en fait. Et je suis assez fière de moi parce que justement j'ai bossé dur pour ça. Donc les amis, n'écoutez personne, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. Dans la vie, il n'y a pas de secret. Tu te réveilles le matin, tu travailles, tu peux arriver, si tu as la motivation, tu peux arriver à tout. Je suis personne, je ne suis encore personne, mais j'arrive à faire ce que j'ai envie. Il y a des gens, franchement, regardez leur histoire. Par exemple, Cardi B, pour ceux qui sont en France, je sais qu'il y a plein de gens qui l'écoutent et qu'aujourd'hui elle commence à être internationale, mais elle Internet, regardez son histoire, la meuf. Elle a tout donné, toute sa vie, un truc de ouf. Il y a des gens aussi, moi, que je trouve extraordinaires en France, qui sont français, ce sont les Twins. En 2008, les mecs étaient donc à incroyable talent. Ils n'ont pas gagné. Et les gens disaient, oh, mais il y a encore du travail. Regardez où ils sont aujourd'hui, ils dansent avec Dilo et Beyoncé. Mais pourquoi ces gens n'ont jamais lâché? Et moi, j'ai pas réussi comme ces gens-là. Mais entre guillemets, si, j'ai réussi à ma façon parce que j'ai une super vie, mais je suis comme eux et je ne lâche rien en fait. Faut jamais rien lâcher, faut avoir la niaque, faut être un pitbull dans la vie, les amis. Soyez un pitbull. Bon, allez, j'ai assez parlé. En tout cas, c'est pour vous expliquer que la motivation elle est là. Moi, s'il y a besoin, je vous ferai des snaps tous les jours, les amis, pour vous motiver, pour vous dire allez, let's go. Je vous embrasse, je vais faire mon test.